Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis du football, bienvenue à Clairefontaine pour le premier des deux matchs de ce rassemblement de nos U17, la génération 2006. Panucci et voilà les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse, les Français d'un côté bien évidemment en bleu et de l'autre côté les Gallois en jaune, une nation galloise que les Bleus ont déjà affronté, mais c'était l'année de 2016. Les Bleuets s'est imposé assez facilement au Pays de Galles 3-0 et 5-0 et ils leur rendent l'appareil, la Fédération Française de Football rend l'appareil aux Gallois et on invite donc les Gallois pour bien une confrontation et on va commencer tout de suite par les hymnes nationaux. Beaucoup d'émotions pour ces hymnes nationaux. J'aime bien le fait de mettre la Marseillaise pour les Français maintenant. Je vous le disais juste avant d'avoir été coupé par la Marseillaise, j'aime bien le fait effectivement de les mettre tout de suite dans le bain, nos jeunes futures pépites du football français et du football international tout court. On les met dans les tout de suite. Et alors, voilà, on va passer aux compos. Vous étiez plusieurs à nous demander hein, les compos avec le Pays de Galles, Luke Armstrong, une défense à 4, a priori, hein, Rhys Thomas, on ne les connaît pas très bien. Les Gallois, Lewis Giles, Matthew Senior, Bryden Clark, Isaka, très rapide, Jacob Cook, Gabriela Biancheri, Troy Parrott ou encore Joe Hatch, l'entraîneur Craig Knight, avec sur le banc un jeune Zach Giggs, notamment un nom très connu du côté du Pays de Galles. Et celle que vous attendez, la compo française avec le Messin, Romain Jean-Baptiste dans les buts, Thuram Zagué et Noah Sangui sur au poste de latéraux, Kai Sanda et Bastien Mepiou en défense centrale, Nolan Ferro, Mathis Amougou et Fodé devant, Mohamed Amin Bouchena, Tidiane Gomis et Eli Junior Croupi. Vous étiez plusieurs à nous dire attention à Eli Junior, le fils d'Eli Croupi. L'équipe emmenée par Jean-Luc Vanucci avec sur le banc Paul Arnier, Arthur Tchapchet, Ivan Titi, Stéphane Sipembo, Ismaël Bouneb ou encore Daouda Traoré. Les très bons connaisseurs du football français des catégories de jeunes remarqueront l'absence de Simon Boisbré, l'habituel capitaine de cette équipe et
vient de Monaco, et également du Rémois Aymen Sadi, qui a l'habitude normalement d'évoluer. Alors, on n'a pas vraiment d'informations sur les absences de ces deux joueurs, sachant qu'ils ont été remplacés par Ismaël Bouneb de Valenciennes, le milieu de terrain, et Ivan Titi, le Troyen, habitué hein, lui aussi des sélections de jeunes. Sur le banc, vous les avez vus peut-être. Alors on me demande si Mathis pas là aujourd'hui, la pépite du Stade Rennais qui évolue avec les U19 du Stade Rennais. Il est prévu normalement sur le banc des remplaçants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de YouTube, vos avis, vos envies, vos opinions, vos réactions. On va suivre l'une des plus belles l'équipe de France, la 2006. Vous êtes nombreux à nous vanter ses mérites. Ils ont déjà démarré un petit peu leur processus international, leur carrière internationale avec la génération, avec la catégorie. Jean-Luc va les suivre en U17, en U18, puis en U19, avec pour cette année, en point d'orgue, le championnat d'Europe en Hongrie qui se tiendra fin mai, début juin, et où les Français essaieront de se qualifier. Ils seront au championnat d'Europe, essayer de conserver le titre remporté par Mathis Tell, Désiré Doué et consorts, et essayer aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2023 au Pérou. Ça fait beaucoup de choses. Allez, on va pouvoir donner le coup d'envoi. Il est 17h, le stade de Pierre Pibarot. Dans cette enceinte de Clairefontaine, et c'est parti. On va regarder aussi un peu le système. Vanucci, on sait qu'il aime beaucoup jouer en 4-2-3-1. Alors, est-ce que l'absence notamment de Simon Boisbré, qui est l'une des pièces maîtresses de cette équipe, va l'obliger à changer de système? Eh bien, on va suivre tout ça. Un très bon. Changement de côté pour Bastien Mepiou, le Nantais, Noah Sangui, pour Faudé Silla, non c'était Mathis. Tous les deux un serre-tête avec voilà, le capitaine Faudé Silla le Lensois qui résiste au duel et qui va donner un joli ballon à Mohamed Hamid Bouchena qui voit le latéral droit Yoram Zaguet dédoubler le centre, le ballon qui va revenir. Bouchena Clermontois qui aime beaucoup cette équipe du Pays de Galles, tout simplement parce qu'il en avait planté 4 l'année dernière lors du double déplacement à Cardiff. Cet attaquant milieu de terrain offensif, attaquant du Clermont Foot 63, qui a déjà pas mal bourlingué, je vous le disais en début de retransmission, qui a déjà un petit peu étraîné quelques guêtres, qui a joué notamment à Istres. Allez, on va suivre aussi ces Gallois. Donc normalement, on est a priori supérieur sur cette génération-là. Ah, ce football britannique qui revit depuis quelques années. D'ailleurs, les 19 iront en Écosse pour le tour qualificatif pour l'Euro de U19. Pour l'Euro U17, les Bleuets iront du côté de la main. Dans un groupe qui paraît à leur portée, avec l'Islande et le Luxembourg. Ils vont les retrouver, les Luxembourgeois, ils les avaient déjà croisés l'année dernière. Et a priori, moi de ce que je sais, moi, c'est première sélection effectivement pour Yoram Zaguet. Une très très belle saison avec le Paris Saint-Germain en U17. On les avait suivis notamment sur FFFTV lors du parcours en championnat de France U17 et U19. Et Yoram utilisé en Youth League. Attention, la défense qui a été prise là. Et sans faire de faute, d'ailleurs, les Français vont pouvoir se dégager. Bon, Bastien, les U16 joueront la semaine prochaine contre le Pays de Galles également. Ce sera la génération, là, pour le coup, des 2007. Rapidement, rapidement.
Allez, Zague, justement, le Parisien. On va pouvoir repasser avec Joachim Kayisanda. Et Romain Jean-Baptiste qui a des herbes à le banc la fond un petit peu là dans les buts. Le gardien Mestin. Allez, Tidiane Gomis qui est donc a priori aligné sur le flanc gauche de l'attaque. Il peut jouer un petit peu tous les postes. Le Canet qui évolue cette année avec l'équipe réserve du SN Camp. On est en N2. Personnellement, j'avais découvert aussi sur les antennes d'FFF TV lors du parcours en Gambardella des Canets. Allez, le ballon récupéré par Amougou. Mathis Amougou avec les deux pieds, le Stéphanois. Il marque beaucoup avec la Saint-Etienne. Et des trajectoires un petit peu différentes hein, déjà dès ces âges-là, entre des joueurs qui sont en U17, des joueurs qui sont surclassés en U19 et des joueurs qui vont même tâter un petit peu du National, National 2, National 3. C'est le cas pour les juniors, pour Tidiane. Et le Niçois qui est sur le banc là. Allez, c'est Likroupi qui va tirer ce corner. L'un des hommes forts de cette sélection française, des hommes de Vanucci, a déjà marqué 5 buts. Effectivement, un but tous les deux matchs. Le corner est très bien tiré. Et, on avait Kayisanda, notamment, qui s'était élevé, mais on n'a pas réussi à toucher la boulette. Et à noter que la pelouse a l'air vraiment nickel. En même temps, hein, Clairefontaine, il faut quand même se lever tôt hein, pour trouver des pelouses dans un mauvais état et qu'il risquerait de pleuvoir. Alors j'ai l'impression qu'on a peut-être même passé le terrain, mais les conditions ont l'air vraiment parfaites pour jouer au football. Et ils vont avoir un lourd héritage hein, à porter ces 2006 parce qu'ils vont passer juste derrière la génération de... en titre, c'était en Israël là, cet été et on a déjà vu quelques joueurs de la génération 2005 juste après ce titre de champion d'Europe eh bien, ont eu des trajectoires avec notamment Mathis Tell parti au Bayern ou Désiré Doué qui est maintenant membre à part entière de l'équipe du Stade Rennais on va peut-être pas dire du 11 mais du 14 de Genesio. Wilson Odobert aussi, le Troyen, l'ancien Parisien, qui a déjà marqué plusieurs fois. On peut s'en passer des choses hein, en une année. Allez, Noah Sangui. J'aurais moi pour Tidiane Gomis, qui a tenté de passer. Noah Sangui qui doit se retrouver un petit peu entre guillemets orphelin de son poteau, hein, de son copain Aymen Sadi, qui lui évolue du côté de Valenciennes, mais ils étaient tous les deux, ils ont fait tous les deux leur tête de Creil. Et on nous cite aussi dans le chat, bien évidemment, Warren Zahir Emery, que vous avez peut-être pu suivre, c'était lundi avec les U19, qui lui aussi est un 2010, mais qui voilà. S'il vous plaît, il joue avec les générations U19 et champion d'Europe U17. Il a déjà fait quelques entrées avec le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier. Allez, Mepiou, t'es champion d'Europe, hein, champion d'Europe, champion de France U19, mais j'ai un peu anticipé effectivement qu'il participe à la Youth League cette année et Mepiou a effectué la rencontre face à Yerevan. Les Nantais se sont imposés 2-0. C'est intéressant quand on est défenseur central comme ça, gaucher. C'est que les entraîneurs aujourd'hui accordent énormément d'importance à avoir une charnière avec un gaucher. Mathis Amougou qui avait réussi à se défaire et de l'arbitre et du Gallois. Les Gallois qui vont pas pouvoir ressortir avec Charlie Crew. Ouais, c'est bien pris, Yoram Zagui. Son intervention défensive est dommage. Mauvaise transmission de Joachim Kayisanda. Ouais,
Allez, les bleus. Les bleuets en place. Alors les bleus, les bleuets. Bleuets. Hein, vous avez peut-être suivi d'ailleurs le nul des Français face aux Belges. Au niveau des espoirs. Oh, et on a perdu la connexion, les amis. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Allez, j'espère que vous êtes toujours là. Je vous le disais, il y a un petit peu de friture sur la ligne avec des orages un petit peu partout en région parisienne, mais normalement c'est revenu. Un petit F5. Et ça va revenir. Allez, je vais vous prévenir sur les chats. Attention, une connexion peut-être un petit peu capricieuse. Mohamed Amine Bouchena sur le côté droit. Donc, Samougou qui est resté là, qui a réussi à intercepter ce ballon. On va pouvoir repartir avec Yoram Zagué. Fodessila, capitaine en l'absence de Boisbré. C'est l'un des hommes forts de... Il est en jeu. Donc a priori, on aura Eli Kroupi Junior en avant-centre. On aura Didier Mbomis et Mohamed Amine sur les côtés. Et on est parti sur un 4-3. Bien joué. Encore le pressing d'Amougou avec Gomis. Amougou qui tient debout. La frappe pied gauche d'Amougou. Un petit peu topé. Il n'a pas réussi à se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir frapper. Mais on... son action par une frappe. Au pressing, on va suivre aussi la discipline de nos bleuets. Quand ils n'ont pas le ballon, c'est bien beau d'être conquérant avec la balle. Il faut aussi bien s'en sortir dans les situations sans ballon. Allez, Zagué. Chris, Sanda, Mepiou, on a vu tout à l'heure hein, déjà qu'il est capable de casser des lignes, soit par deux balles en dribble, ou alors par des passes comme celle qu'il vient d'effectuer avec Gomis pour Bouchena. Il a le doublement de Yoram Zagué, le centre de Zagué, sorti comme on peut dans la défense galloise. Oh. Et encore une belle récupération cette fois-ci, le Strasbourgeois Nolan Ferro. Petit bijou technique selon certains experts. Allez, Mopi, il faut profiter de cette légère apathie du côté gallois qui ne vient pas trop au pressing. Mopi, voilà, qui peut s'installer dans les 40 mètres adverses avec Gomis. Et on s'excite pas. Séquence. Yoram Zagué qui est bien trouvé là sur son côté droit pour sa première sélection en bleu. On rappelle que les bleus sont partis dans un processus maintenant de 3-4 ans qu'ils ont été pour la plupart repérés au moment des U15, un gros rassemblement U15 qui a lieu chaque année avec les nouveaux U15 des nouvelles générations. Et de là, Jean-Luc Vanucci a pu observer joueur là sur les deux dernières années. Il peut bien évidemment y avoir des joueurs qui réussissent à intégrer grâce à leur parcours en U17 ou en U19 qui auraient peut-être maturé, on va dire, un petit peu sur le tard. Il peut y avoir des joueurs de cette sélection, mais voilà, ils sont partis normalement sur plusieurs années ensemble.
Le long ballon de Kei Sanda pour Tidiane Gomis. Pour Mathis Amougou qui va peut-être pouvoir frapper. Il a les deux pieds Amougou. Fodesila le lance. Et c'est bien. On frappe de loin. On n'hésite pas à allumer. Ce qui peut de temps en temps pouvoir faire sortir un peu la défense galloise. Et en même temps, voilà, cette volonté toujours de jouer au ballon. Tidiane Gomis dans les espaces. Servi par Ferro. Très bon, un contre un, il va pouvoir enchaîner d'une frappe. Et encore la frappe, cette balle contrée par Brandon Clark. Pour ceux qui nous le demandent, Ethan Bappé. Non, il jouait avec les U17 avec le Paris Saint-Germain. Oh, mauvaise transmission de Tidiane Gomis. En faute, Nolan Ferro, c'est bien. Passion, et on va voir dans les petits espaces comment on s'en sort. Voilà, le ballon est rendu propre par Mathis Amougou. Feu des Silla. Pour Yoram Zagué, Ferro, un milieu de terrain qui bouge beaucoup. Il y a pas mal de liberté pour les attaquants, avec Bouchena qui est un petit peu plus sur son côté droit, mais entre Tidiane Gomis et Eli Kroupi, ça peut permuter. Amougou en 1-2 avec Eli Kroupi Junior. Alexandra, Silla, le Piyou. Ouais, Amougou, superbe. Il est passé une fois, deux fois, et pas la troisième. Cook, le ballon qui est récupéré tout de suite par les Bleus. Tidiane Gomis, le petit externe pied droit de Gomis, d'Eli Kroupi, qui est passé encore. Eli Kroupi pour Gomis, justement. La frappe de Kroupi et bel arrêt de Liu. Le ballon récupéré par Mohamed Amin Bouchena. Yoram Zagué. Pour Sanda, on va repasser par le numéro 4, Mepiou, Bastien Mepiou. Sandy, ouais, on alterne bien, joue à une touche. Et voilà l'aisance de Mepiou, le numéro 4, qui arrive à chaque fois à gratter une ligne. Ouais, dommage, le centre de Bouchena. On va avoir droit à une extra balle. Et on va trouver Mathis Amougou. Ferro aussi là. On demande à. On entend bien Jean-Luc Vanucci qui demandait à Bastien. De pas trop monter. Le bon ballon trouvé pour le Lensois Silla. Et Zagué. Centre-tir de Yoram Zagué, le Parisien. Sans danger pour Luc Armstrong. Et on revoit la percée de Eli Junior Kroupi, la frappe de Tidiane Gomis. Ouais, vous êtes en train de noter dans les chats qu'il y a une grosse différence de niveau entre les Français. Attention quand même, hein, on avait noté aussi une grosse différence entre les Français et les Serbes en U19 il y a de cela deux jours. Et les Français menaient 1-0 avec pas mal d'occasions pour mener 2-0. Et derrière se sont fait complètement reprendre en seconde période. Dommage de Mohamed Amin Bouchena. Et Bouchena et Amougou à la tombée de ce ballon. Alors qui la prend? Est-ce que c'est Bouchena? Est-ce que c'est le 17? Ouais, c'est Bouchena. Clermontois. Pour le sinon le groupe en N3. Allez, Kroupi. Lorientais, né à Lorient, qui évolue pour les Merlus, qui a fait toutes ses classes chez les Merlus. Championnat de France nationaux U19. Ils étaient redescendus il y a 2 ans. Allez, Bouchena. Et beaucoup de mots hein, de Piyou justement qui a un petit peu les pieds qui le démangent là de monter. Et sa qualité de relance elle est vraiment intéressante. Encore une balle qui casse les lignes.
Et on a de très beaux joueurs avec Eli Cook Jr. qui est capable de jouer, de bien jouer en pivot. Et Bouchena avec encore Yoram Zague qui lui apporte la solution, le dédoublement, ce qui a permis de rentrer pour Bouchena. Dommage. Et la faute. Une faute qui est relativement intelligente, là, qui permet de passer la contre-attaque galloise. Ah, on dit la formation lorientaise, ça joue au ballon. Exactement. Il y a un autre lorientais. U17, c'est Stéphane Siba qui évolue milieu de terrain défensif du côté de Lorient. Défense aussi, en défense centrale. Allez, le bon ballon gratté. Eli Kroupi. En 1-2 avec Fodesila, Bouchena avec encore Yoram Zague. J'adore la débauche d'énergie du jeune parisien, le centre de Tidiane Gomis et un nouveau corner pour les Bleus. Charlie, Cookie, just rotation round, right? So you out and Cookie in, and then Troy down on the opposite side. On entend le sélectionneur, le coach gallois, donne ses consignes. Ça vous permet, on avait décidé dans ces matchs de sélection de jeunes de pouvoir bosser aussi un petit peu d'autres matières que le football. Ouais, le corner qui va être dégagé par la défense galloise, le ballon qui revient sur Zague. Remet le ballon pour Eli Junior Kroupi. Braden, have a look around you, Braden. I see you pick up. Up for the ball. Donc l'équipe de France puisse se remettre en place avec encore une fois Bastien Mottier qui monte aux avant-postes. Cette fois-ci, on est venu aller chercher peut-être des consignes et du banc de touche. Attention, voilà. Un petit peu capricieuse, le ballon avec le bon dédoublement de Noah Sangui. Le centre, attention, c'est complètement troué entre Luet Giles et Luke Hart. Sortie un petit peu faite foraine là, du gardien qui a plus essayé d'attraper le pompon que d'attraper le ballon. Et ça aurait pu être dramatique pour les Gallois parce que le ballon qui a rebondi sur Giles et qui est sorti. Allez, on va retrouver Eli Junior Kroupi. Sangui. On a Zague et Sangui, hein, vous l'avez vu. Au français qui assure la couverture sur les corners des Bleus. Amougou, très intéressant. Amougou est capable de donner l'impulsion à 360 degrés. Ouais, Sanda, très bon ballon, ouais, dommage. Amougou est légèrement en arrière par rapport au placement du Stéphanois. Mais j'aime bien l'utilisation des espaces aussi des Bleuets. Réussir à ne pas l'attirer dans une zone pour pouvoir après derrière plancher et accélérer. Allez, c'est Amougou et Gomis qui viennent au pressing et qui permettent aux Bleus de récupérer le pressing. Le Piyou avec Ferro. Kaysanda. Zague, Sila, en une touche, va falloir sortir maintenant. Voilà, on a attiré les Gallois. Et on va chercher à donner un petit peu d'oxygène. Amougou, on a vu, un pied droit, pied gauche, il n'y a aucun souci pour Mathis Amougou. Ouais, Sanda pour Zague, en une touche, et Zague avec super. Tidiane Gomis, la frappe du Canet, qui a récemment signé son premier contrat pro avec le club normand, qui avait fait une superbe campagne de gambardage. Les 2004 et 2009. Ouais, 2004, 2005, 2006, qui avait le droit de la jouer l'année dernière. Et titulaire avec Norman Bassett en attaque.
Et c'est vrai que le numéro 10 français, Mathis Amougou, a des airs d'état qui l'ont déjà vu évoluer avec le Paris Saint-Germain. Superbe. Fodessi, là, le tacle est très propre. On va redonner le ballon à Mohamed Amine Bouchena. Et sa capacité d'explosion et sa grande compétence en 1 contre 1, on va le donner. Ouais, Nolan Ferro encore, l'intelligence du placement du Strasbourgeois. Bouchena pour tenter en triangle là de toucher Odessi là avec Tiziane Gomis. Et Gallois qui vont pouvoir repartir. La double ouverture. Sanguy Mepiou, ça fonctionne bien. Mepiou, Fodessi là, on voit qu'il est. Il n'y a pas réellement une sentinelle qui vient apporter le soutien pour la première relance. Donc ça bouge beaucoup avec les latéraux, avec Silla et Ferro. Ouais, dommage, Mohamed Bouchena qui était revenu défendre et Yoram Zaghi, ça va être compliqué de le passer en vitesse pour Fodessi là. On va mettre le ballon en touche, il y a un joueur qui est resté par terre. On va aller voir du côté de justement Mohamed Amine Bouchena qui a fourni un gros effort à la perte de balle pour essayer de récupérer le ballon. Attaquant clermontois qui a tenté sa chance du côté de d'Istres. Rebondi après un petit peu une relance, hein, j'ai l'impression, du côté d'Istres. Et puis derrière, Mohamed Amine Bouchena qui a pu signer à Clermont. Clermont qui fonctionne bien aussi en termes de jeunes. Fodessi là. Yoram Zaghi. Oh, attention, Yoram, ses passes latérales là. Qu'elle soit sûre. Et, ouais, et le numéro 7, Freddy Issaka. On disait qu'il va s'est retrouvé en bonne position. Ouais, je sais pas trop ce qu'il a voulu tenter. Un peu entre le coup du sombrero et. Ouais, je crois que c'est un coup du sombrero raté. Et Romain Jean-Baptiste, heureusement, qui veillait. Kaysanda. C'est le bouger un petit peu des côtés français. On n'est pas inquiété, hein, trop dans le pressing au niveau des Gallois. Attention à ce ballon pour Eli Kroupi. On s'était fait un petit peu dupé par la connexion. Eli Kroupi qui a vu la sortie de Luke Armstrong là. On fait grand cas de notre attaquant. Ouais, là. Il y a eu un petit contact quand même. Dommage, Eli Junior Kroupi qui aurait pu ouvrir le score. J'ai l'impression que c'était Sanda qui avait ouvert allumé la mèche. Ouais, Kroupi, joli techniquement le petit toucher du Lorientais. Qui va voir l'arrivée de Noah Sanguy sur le côté gauche, le centre en première intention de Noah Sanguy. Ballon qui va revenir sur Kroupi, la frappe de Kroupi. Et l'ouverture du score, Eli Junior Kroupi, voilà les Bleus qui au bout de 25 ont réussi à trouver l'ouverture dans cette défense galloise qui pour le moment ne montre pas une énorme adversité. Mais voilà, côté français on est resté sérieux. Le bon déboulé sur le côté gauche de Noah Sanguy qui a permis une situation favorable. C'est bien joué, hein. On revoit, voilà, c'est le centre de Sanguy qui revient sur Eli Junior Kroupi et le geste de l'attaquant, le ballon qui rebondit, hein. Tibia,
le demi-pas d'ajustement pour pouvoir derrière frapper et aligner le gardien. Bien joué à nos bleus. Continuez avec encore un très bon pressing du clan français. C'est Amougou qui va récupérer ce ballon. Et on va gagner un nouveau coup de pied de coin. Effectivement, il y a pas mal de connaissances. Un petit peu toutes les infos que vous avez. Elie Junior Croupy, hein, c'est 9 matchs et 5 buts avec cette génération des 2006. Alors l'année dernière, c'était en U16, cette année, c'est en U17. Ça, forcément, hein, chaque année, le niveau d'exigence est encore un petit peu plus élevé. Ça fait plaisir, une pensée à son papa. Le centre est bon. Encore ce centre de Noah Sanguy. C'était pour Bastien Mepiou, le Nantais, qui met une bonne tête à tout le monde en termes de taille là dans la surface. Un petit peu à Souleymane Isaac Touré ou à El Shaddai Bichabu. Hein. On commence à en former quelques-uns des grands gabarits en défense centrale. Allez, en tout cas, la première demi-heure, ponctuée d'un but. Ça doit faire plaisir à Jean-Luc Vanucci. Les Bleuets qui s'envoleront le mois prochain. Je me répète, mais s'il y en a qui nous rejoignent pour savoir un petit peu les enjeux de ce match, le contexte, eh bien, ils vont participer au premier tour des qualifications de championnat d'Europe U17. Attention à ce centre et la belle sortie de Yoram Zagué. Il a eu un petit peu peur avec le... Pourquoi tu vas serrer là-bas sur la touche? Il vaut mieux que ce soit Junior qui aille plutôt que toi tu désordres et que tu nous laisses tout ça. Et voilà, on entend hein, Jean-Luc Vanucci qui donne aussi des consignes par rapport au pressing. Bonnet. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. On réajuste. Pour ceux qui se demandent si Matistel fait partie de cette équipe. Non, Matistel est un an plus vieux. Rare de dire ça. Hein. Mais voilà, il est 2005, l'attaquant du Bayern de Munich. De la part d'Isaka, mais le ballon est récupéré par les Frenchies. Ouais, superbe, en une touche. Elie Junior Croupy pour Tidiane Gomis qui va voir de l'autre côté. Alors on le disait, cette capacité à trouver les espaces libres, à jouer là où l'adversaire n'est pas. Le ballon d'Amou. La boulette qui lui est restée un petit peu dans les chaussettes. Allez, Yoram Zagué qui reste haut. Pour vous donner une indication, hein, aucun 2006 présent sur le terrain n'a déjà évolué, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. On va quand même citer Warren Zaïre-Emery, joueur du Paris Saint-Germain, double surclassé avec les U19, qui lui pourrait jouer avec ses matchs avec le PSG. Et Romain Jean-Baptiste avec Kaï Sanda. Avec Tidiam Gomis qui a tenté le petit pont, deuxième petit pont pour le Canet. Et Amougou est bien pris. Rice Thomas. Et les Bleus qui vont pouvoir repartir. J'adore Nolan Ferro, dommage. Là, c'est... imprécise, on ne s'est pas trop compris avec Fodessi là. Attends Noah, Junior, allez. Avant d'effectuer sa remise en jeu. Et voilà, la demande de Jean-Luc Vanucci, c'était qu'Eli Junior Croupy vienne demander ce ballon, se défasse du marquage. Ça a été tout de suite exécuté par le Lorientais. Ouais, Follet, Sila, Yoram Zagué. Jeu avec Mikaï Sanda. Bastien Mepiou, apprenez à connaître ses noms, les amis. Nous en entendrez parler très bientôt, toujours sur FFF TV, bien évidemment. On suivra encore cette année la Gambardella dans les résumés des équipes de jeunes. Allez, Noah Sanguy, ouais, c'est beau ce qu'il fait, le centre pied droit ajusté
pour Mohamed Amine Bouchena. Amougou qui arrive à la remettre dans la boîte et c'est dégagé. Ouais, Zague, il faut sauter. Bon, non, il a décidé de pas sauter, l'arbitre qui laisse jouer. Amougou en percussion, comme souvent. Bouchena, Zague, on va continuer à tourner autour du bloc gallois. Et on demande à Amine Bouchena là, de ne faire attention, hein, de ne pas se retrouver en position de hors-jeu parce qu'on sait que le ballon peut venir très vite. Ouais, Sangui, encore un très bon pressing du côté des... Ok, Isanda pour Bouchena en une touche. Yoram Zague qui alterne hein, entre solution en soutien ou dédoublement. Guy. Le Piou. Et le voilà. Yoram Zague qui a été très malin, il s'est fait oublier. Et dommage, il avait tenté de trouver Bouchena. Ballon toujours chez les Bleus qui repart sur une séquence. Voilà, on a trouvé Tidiane Gomis en une touche avec Sangui. On a appelé Matisse, vous l'avez entendu. C'était pour Kroupi à qui on demande de s'impliquer parce que c'est lui qui va tirer ce corner. Et on a vu qu'il les tirait bien, ses coups de pied arrêtés. On a des grands hein, avec Mepiou notamment, avec Sanda, Bouchena aussi. Raté l'exécution. Ce corner qui est arrivé dans les pieds d'un joueur qui couvrait le premier poteau, les 6 mètres. En général, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Sangui avec Kroupi. Et on entend Vanucci, hein, si, je ne sais pas si vous avez le son à fond, mais on entend Vanucci qui parle énormément à ses joueurs. Ouais, Isaga, pris par Nolan Ferro avec double couverture, la seconde lame, celle de Bastien Mepiou. Petit Samougou en une touche pour tout de suite se défaire du marquage. Eli Junior qui vient la demander. Mais attention, faut suivre là parce qu'on y est plat, on n'y est plus. Et le ballon qui est bien sorti par Romain Jean-Baptiste Meslin. L'ailier gauche gallois. Joe Hatch. Ouais, Zague qui était au Zague là justement. Ouais, il était parti, hein, les Français qui étaient repartis dans une situation de relance. Et voilà, on a vu que nos latéraux ils aimaient bien hein, prendre le large. Allez, bien joué Kaï Sanda. Le ballon récupéré par Gomis. Gomis avec Kaï Sanda. Pas attaqué, donc on peut la monter. Romain Jean-Baptiste va pouvoir aussi apporter une solution. Voilà, le but, il est clairement affiché. Hein. Pouvoir casser une ligne par une passe en général de Mepiou. Et Gomis qui a perdu ce ballon. Gomis, il a un très joli duel hein, contre Rice Thomas, numéro 2 gallois. Et attention, les Français. Il y a hors-jeu. Il y a une position de hors-jeu du numéro 9, Gabriele Bianchieri. Attention à ne pas se voir trop beau, trop vite. La transition dans la perte, est-ce que tu as été intéressant? Romain, faites les bons choix.
Faites les bons choix. Et on le dit aussi à son gardien de but. On va chercher a priori Eli Junior Coupi. Et on va demander du bleuet au deuxième ballon. C'est Jean-Baptiste Tanguy qui gagne son duel à Mougou. Non, c'est Fodessila, le petit jeu en triangle. Croupi Boucher Nassila. Ouais, Nolan Ferro. Fait du bien parce qu'il est un peu l'homme de base de ce milieu de terrain au niveau du placement. C'est lui qui, c'est par rapport à lui que tout le bloc peut s'articuler. Jeu très intéressant. Ouais, Fodessila et Ramzag est dans cette zone. Là, il va falloir récupérer le ballon. C'est Kaysanda qui est sorti de sa défense et qui va commettre une faute. Ouais, la faute est bien réelle, mais à 60 mètres de son but, pas très grave, on peut se replacer. Allez, les Français encore avec un gros travail fourni par sa ligne offensive. Rendre le travail compliqué pour les Gallois et essayer de récupérer la balle le plus haut possible. Ça a été Fodessila et attention, cette attaque placée, mais c'est bien. Bien arrêté chez Mepiou. Attention à ce ballon au deuxième poteau. Raté. Qui demande à ses bleuets de se... de relever la tête, de remettre un petit peu le pied sur le ballon. Et on va revoir le but d'Eli Junior Coupi avec ce très joli contrôle de la rotule. Pour ensuite... Allez, Romain, Jean-Baptiste. On arrête un petit peu de relancer court parce qu'on a un peu de mal à... On essaye de se redonner de l'oxygène et d'être un petit peu plus haut sur le terrain. Ouais, ballon pour Mohamed Amine Bouchena. Le retour de tout le monde, la planine. Ferry, ballon est perdu, récupéré par Troy Perrett. Et ils sont en train de sortir la tête de l'eau, les Gallois, et en tout cas on peut pas leur enlever qu'ils essayent toujours de jouer au ballon. Vraiment Charlie Crew, leur capitaine. Ah, superbe Ren Zagé vers la balle sans faute. Il peut repasser par son défenseur central. Là, on l'a un petit peu plus jeté celle-ci chez Kay. Ouais, belle interception d'Eli Junior Croupi, l'attendu du monde. Il a résisté. Tidiam Gomis, on lui a demandé d'enchaîner. Il retrouve Eli Junior Croupi. La frappe de Croupi détournée par Lucas. Et ça va être un nouveau corner pour les Bleuets. Le sixième déjà. Tidiam Gomis. Et avec le numéro 5, Bryden Clark, qui couvrait. Et effectivement, on a Allez, au point de pénalty, Bastien Mepiou qui ses coups de pied offensifs, ses corners pour les Bleuets, tourne autour de la tour de contrôle. Oh, et on avait trouvé justement la superbe zone entre Bastien Mepiou et Joachim Caïs. C'était très haut, c'est d'empêcher une relance facile des Gallois. C'est plutôt bien effectué. Isaka avec Burnett. Bastien Mepiou. Toujours très bon duel. On a raté son contre-objectif de Gomis. Behind you.
Et dommage, cette barre, c'était l'occasion du 2-0. C'est un scénario qui ressemble un petit peu au Sterby France. U19, lui aussi préparatif, vous l'avez suivi sur FFF TV si vous étiez là lundi, lui aussi préparatif pour le tour de qualification pour l'Euro U19. Et français, donc les nouveaux U17, la génération 2006, qui a eu quand même quelques compétitions internationales pour pouvoir un peu se jauger. Les premières compétitions internationales maintenant arrivent uniquement en U17, mais il y a le tournoi de Montaigu notamment. Français ont terminé 4e meilleure nation européenne, 6e du tournoi. Brésil et Argentine qui étaient venus non pas pour beurrer des tartines, mais pour aller chercher des titres, ont fait 1er et 2e. Et puis les Français ont fait aussi 3e du tournoi du Val-Pont. Et les Belges. Ils avaient battu uniquement les Belges, mais qui avaient notamment été... surclassé par l'Italie, 3 buts à 0. De retrouver Gomist. Et remuant sur le front de l'attaque des Bleus. Nolan Ferro qui la perd. Tirard et attention. Avec Gabriele Bianchieri. Et repris hein, par Ferro qui est venu tout de suite réparer son erreur. Passe pas Nolan Ferro deux fois. Il y aura a priori pas de temps additionnel, peut-être une minute. Il n'y a pas eu grand chose, pas eu grand. Grands arrêts hein, sur cette première période. Attention quand même, restez concentrés jusqu'au bout. Et les Gallois, probablement la dernière occasion de cette première période. Attention pour nos Bleuets de ne pas se faire attraper juste avant la mi-temps. Allez Nolan, vous ne laissez pas passer devant là, on va chercher. Tous ceux qui jouent au football le dimanche matin, vous l'entendez, hein, les consignes, ne jamais se laisser passer devant, c'est très bien joué. C'est pas vraiment une rémoise, c'est à la sauce un petit peu galloise, cardifoise. Ça a failli mettre nos Bleuets en danger. Et bien voilà, fin de cette première mi-temps sur le score d'un but à zéro pour nos Bleus. Junior Croupy à la 28e minute. On va se donner rendez-vous dans une dizaine de petites minutes. Vous allez avoir droit à quelques images de la Fédération française de football. On se donne rendez-vous dans 9 minutes, 10 minutes. Ça commence ici. Ça commence au club. Le terrain des premières mi-temps et des premières amitiés. Ça commence ici, les contrôles qu'il ne faut pas rater. Les cours particuliers et les photos de promo qu'on n'oublie jamais. Ça commence ici, les leçons qu'on a plus besoin d'apprendre. Les vestiaires qui ne sont pas des vestiaires, mais des salles de concert. Ça commence ici, les premiers stress. Les vocations aussi, elles commencent toutes ici. Comme les petits gestes qui rendent plus grand, ou les calculs qui comptent vraiment. On ne sait jamais pour combien de temps, mais prends ta licence. Parce que tout commence ici et maintenant. Culture foot,
Combien de stades ont accueilli des matchs de l'Euro 2016 en France? 9. Je dirais 9. 10. Ah, j'ai failli dire 10. Santé. Vrai ou faux? Contrairement à la drogue, le tabac n'a aucun effet sur les muscles. Faux. 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 Bien, Fonfon. Santé, c'est une santé. Question santé, ça. Question engagement citoyen. À partir de quel âge peut-on voter en France? 18 ans. 18 ans? Non, j'ai appuyé. 18 ans. 18 ans. Que dois-tu mettre sur une entorse? Du chaud, du froid ou de la moutarde? Du froid. Du froid. Ah, du froid. Du froid. Du froid. Du froid. Du froid. Comment appelle-t-on une personne qui travaille dans un club sans rémunération? Un bénévole. Un bénévole. Un bénévole. Un bénévole. Fair play. Que doit-on faire à la fin d'un match pour remercier ses adversaires? Serrer la main. Combien y a-t-il de bénévoles dans les 17 500 clubs de football en France? 100 000, 250 000 ou 400 000? 200 000. 100 000. Il est parti à la pêche. Hein. 200 000. Je dirais 400 000. Ils sont beaucoup, hein. Vous aussi, utilisez le PEF pour dynamiser votre projet éducatif.
Kepna Louis. De retour les amis au stade Pierre Pibarot à Clairefontaine où les Bleuets sont en train de mener 1-0 face aux Gallois. De cette première période, le replay, les best-of. Tout de suite les amis. Ouais, on commence avec cette frappe qui passait pas très très loin, la belle ouverture pour Bouchena également. Tidiane Gomis, la frappe de Tidiane Gomis qui passe juste à côté. Eli Kroupi qui est mais qui ne se ratait pas sur sa deuxième tentative face à Luc Armstrong. Ça faisait 1-0 à la demi-heure de jeu. Puis les Français se sont un petit peu reposés sur leur laurier. Et grâce à un gros Romain Jean-Baptiste, on terminait cette première période sur cette frappe sur la barre d'Eli Junior Kroupi. J'espère que vous êtes encore confortablement installé chez vous pour suivre cette deuxième période. Est-ce qu'on va voir des changements pour le moment? J'ai l'impression que ce sont les à gauche de votre écran. Donc on va rappeler la composition d'équipe avec Romain Jean-Baptiste Le Messin. Dans les buts, Yoram Zagué latéral droit, latéral gauche c'est Noah Sangui. Alors Yoram Zagué c'est du PSG, Noah Sangui du Stade de Reims, Isanda de Valenciennes et Bastien Mepiou Menadjou de Nantes. Milieu de terrain à 3 avec Nolan Ferro de Strasbourg, Fodessi Lallansois et le Stéphanois Mathis Amougou. Et en Junior numéro 9, à la pointe de cette attaque, le buteur,
sur les côtés. À droite, Mohamed Amine Bouchena, le Clermontois, et le Canet Didiam Gomis. Vous êtes en train de suivre la génération des 2006 qui sélectionné par Jean-Luc Vanucci, tout ça sous la houlette de Lionel Rouxel, le responsable des équipes de jeunes. Et cette équipe des 2006 est dans une phase de préparation où elle rencontre le Pays de Galles aujourd'hui, un vendredi toujours à Clairefontaine, avant de partir dans un mois pour la Macédoine du Nord et un premier tour de qualification pour l'Euro 2023 où ils affronteront les hôtes macédoniens, les Luxembourgeois et l'Islande. Et tout ça, normalement, devrait les emmener jusqu'à la défense du titre de la génération 2005 qui ont été champions d'Europe. C'était sur l'équipe, notamment, si vous les avez suivis, l'équipe de Matistel, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery ou encore. Et le but du jeu pour eux, déjà d'une, défendre le titre gagné par les aînés et essayer de se qualifier, de terminer dans les 5 premières places de championnat d'Europe pour se qualifier pour la Coupe du Monde au Pérou. Élie Croupy. Et c'était le numéro 5, Joachim Kaisanda. À 11 et 11 même. Sur le banc, on va noter la présence. Allez, on va les citer. Christopher Babela-Tsembo de Valenciennes. Steven Siba, de Lorient. Arthur Tchapchet. Rémois. Ivan Titi qui a été appelé pour suppléer l'absence d'Aymen Sadi. Ivan Titi, c'est un Troyen. Au milieu de terrain, les deux Niçois, Samy Vatel et Daouda Traoré, avec Seb qui remplace Simon Boisbré. Et enfin, les attaquants sur le banc, on a Mathis Lambourde, le Rennais, Yanis Issoufou, le Montpelliérain. Tous les deux n'ont jamais connu encore l'honneur des sélections. Et enfin, le Strasbourgeois, Wilsem Boussaïd. Les Gallois qui vont repartir aussi a priori avec le même 11. Un petit peu du lot. Et le capitaine là, qu'on voit à l'écran, Charlie Crew, il y a aussi Freddy Issaka sur le côté droit. Et on a vu un numéro 9 assez généreux dans l'effort. Kerry. D'envoi qui va être donné, le coup d'envoi de cette seconde période. Il n'y a pas une nécessité incroyable d'effectuer les changements parce qu'il y aura une deuxième tour qui permettra, quoi qu'il arrive, à Jean-Luc Vanucci de faire un petit peu tourner son effectif. Allez, on y va, les petits bleus. Premier match de cette génération 2006, maintenant sous le maillot des jeunes U17 français, avec, on le disait, un héritage très lourd à porter, celui de la génération 2005 championne d'Europe. Et donc on est reparti pour cette deuxième période. La première mi-temps avait été dominée outrageusement par les Français pendant une demi-heure. Et puis juste après le but d'Eli Junior Croupy, les Français sont un petit peu endormis. Tire plus souvent les Gallois. Allez, Amoukou qui était au pressing. On a imprimé un pressing aussi un petit peu moins violent côté français. Toujours très bien d'enchaîner. Tu as un gros pressing total pendant 90 minutes. Allez, Noah Sangui. Avec Bastien Mepiou qu'on a beaucoup vu en première période. Une des. Sangui.
avec Mopiou, je le disais, qui a joué cette saison avec le FC Nantes, son club du FC Nantes en Youth League, le FC Nantes du championnat de France U19 face à Monaco. C'était à Saint-Quentin en direct sur la chaîne de la FFF. Ah, et c'est bien joué ce que fait Tidiane Gomis qui a réussi à passer en plan technique aussi. Amougou qui a vu Yoram Zagué, le déboulé de Zagué qui va pouvoir centrer après contrôle. On avait tenté la. Ah. Et encore une très très belle prise d'espace Yoram Zagué, ouais, on le voit. Et on n'a pas eu besoin de deux coups d'œil chez Amougou pour le trouver. Oh. Attention à cette balle de Zagué, mais heureusement, c'est chez Romain Jean-Baptiste pour aller dégager ce ballon et éloigner le danger. Et du hatch. Alors récupéré par Nolan Ferro, le Strasbourgeois qui attend du soutien. Il va trouver Nora. Dessila, un petit peu moins vu sur la fin de la première période. Il fait beaucoup, ouais, superbe l'appel contre appel de Silla pour se défaire du marquage. Allez, c'est pas grave, on se replace. L'arbitre en a décidé ainsi. Giro qui va être sanctionné. Pour ceux qui se demandent, non, pas de Simon Boisbré hein, qui avait été appelé, qui est l'homme fort, hein, le capitaine de cette sélection des 2006. Et alors, j'ai pas eu l'info de savoir si c'était une blessure. Il pourrait le Monégasque a déclaré forfait pour ce match, sinon il aurait été là, hein, quasiment sûr. Il fait une belle saison en plus avec les U17 Monégasques. Ouais, la balle. Né à Saint-Etienne, qui a évolué à Saint-Etienne pendant jusqu'en U11. Derrière, un petit coup de grisou, un petit coup de mou, il n'a plus trop envie de jouer au foot. La pression d'un gros club comme la Saint-Etienne. Il a un petit peu moins à cet âge-là. Il est parti jouer du côté d'Andrézieux-Boutéon, un club filial de la Saint-Etienne, un gros club de la région stéphanoise. Puis après, parti du côté d'Herbel. Les Marseillais connaissent hein, ce club qui ne compte pas de seniors, mais qui jeunes. On va passer notamment Wesley Fofana, par exemple, récemment. Et enfin, derrière, recruté par l'AS Monaco. Bré sur ce rassemblement, mais on le verra normalement sur les prochaines échéances françaises. Hein. Allez, Amougou. Un Mepiou. Ouais, beau déboulé de Noah Sangui. Il est terminé le nez dans la pelouse là, qui a été mis par terre par Rhys Thomas. A été donné dans le bon tempo, la petite touche de balle là, de Boisbré, bien joué. On a pris un jaune chez Thomas, logique. Arrêtez qui sont tirés hein, la plupart du temps par Eli Junior Croupi, fils d'Eli Croupi, l'ancien Lorientais. Brestois aussi, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va chercher le 4, le 5, Mepiou, Kaysanda.
il est bien tiré, ce coup franc. Donc il va retomber sur Tidiane Gomis, le tête arrière. Les Gallois qui ne peuvent faire autre chose que de la jeter, la balle. Et Romain Jean-Baptiste, ouais, superbe ballon là du gardien messin pour Gomis. Silla. Kei Sanda, on a vu Yoram Zague qui en une touche, c'est intéressant hein, ce qu'il tente, le ballon lui revient dessus, Boucher là qui va lui redonner dans un 1-2 un petit peu chanceux. Tidiam Gomis, la frappe de Gomis pour enlever le corps trop. Tidiam, mieux que ça, Tidiam. Ballon. Et vous débattez dans le chat de YouTube sur l'absence de Simon Guabré, mais on n'a pas vraiment l'info. Changement du côté gallois. J'ai pas eu le premier entrant, mais le deuxième, c'est Elliot Miles, le numéro 19, qui va rentrer à la place de Joe Hatch. A priori, du poste pour poste. Pour tous les connaisseurs, on va terminer. Fermer la parenthèse, Simon Boisbré. Il a joué des matchs en U17, des matchs en U19 aussi avec la Monaco Academy. Mais il est bien membre de cette équipe 2017. 2016, je vois le 17, de cet effectif 2006, Simon Boisbré. Et c'est le 20 qui est rentré, c'est Joe Belmont qui est rentré. Merci beaucoup pour l'information. Allez, Giles, pour la remise en touche. Les Français sont en place, obligés de repasser par derrière. Et allez, toujours au rang des absents. Oh là, belle interception de Modestila. Bon, Ethan Mbappé qui ne fait pas partie de ce groupe. On voit, c'est aussi Dan Sinaté. Romain, t'attends quoi? Avec Sangui, on va repartir sur une nouvelle phase de construction côté français. Et on dégageait un peu plus loin. Bon, là, c'est Sébastien Mepiou qui va dégager loin. Eli Junior Coupi qui va disputer ce ballon et qui va le récupérer. La petite aile de pigeon pour lui-même. La deuxième. Il continue à conserver le ballon, Eli Junior. Et il va. On a fait un petit peu la misère là. Un coup au sol, un coup dans les airs. Ouais, derrière, la faute du capitaine Charlie Crew. Alors, faites vos jeux. Croupi, a priori, hein, c'est lui qui pour l'instant les a tous tirés. Ou Fodessila qui a l'air de se montrer. Mais là, ça va être pour Croupi, la frappe. Directement, alors j'allais dire en tribune, mais il n'y a pas de tribune derrière la cage de Luke Armstrong. Dans les filets de protection. Allez, gardez du rythme. Premier changement aux alentours de l'heure de jeu. Ouais, Luke Armstrong, et bonne relance pour Perret. On est rentré du côté du numéro 20 à la place de Gabriele Bianchieri, chercher le sortant gallois. Donc on a Elliot Miles et Joe Belmont qui sont rentrés à la place de Joe Hatch et Gabriele Bianchieri. Mepiou pour Sangui qui étire un petit peu le bloc gallois là. Et sans prendre de risque, va repasser par son défenseur central. Zague, ouais, le ballon était un petit peu mou. Donné par Kei Sanda.
Et derrière, les Bleuets qui vont récupérer la balle. C'est un bon match, Yoram Zagué pour sa première cape. Voilà quelques petits soucis de connexion, vous le voyez. Allez, le ballon va repartir par la défense galloise et le bon pressing d'Amin. Allez, faire l'effort, Bouchena. Voilà, obligé les Gallois à la levée. Tranquille. Pour Romain Jean-Baptiste, le ballon qui va revenir allez, dans la zone intéressante pour les Françaises au milieu du terrain. Zone où on était tellement conquérant en première période. Allez, les Gallois. Bon ballon récupéré par Bouchena. Il y a un 3 contre 5, 3 contre 6. On a donné le ballon un petit peu tôt chez Bouchena. On n'a pas assez fixé, probablement. On n'a pas pu attendre le retour du. Sangui qui va tenter d'accélérer un petit peu avec Tidiane Gomi, Samougou encore. Et voilà, Mepiou. On l'avait beaucoup vu en première période, là, réussir à casser des lignes. Grâce. On repasse par Jean-Baptiste Le Messin. Kaysanda. Voilà, on ne veut pas sortir côté gallois, alors on va continuer à jouer la baballe, on mène. Et Sanda qui va, ouais, qui va trouver le dos de Fodesila, le capitaine. Ouh, heureusement qu'il n'a pas réussi à la mettre là, Charlie Clou. On a réussi à prendre l'avantage chez Isaka sur Noah Zaki. Et la faute de Fodesila. Fodesila qui est donc 11 matchs hein, de U16 avec Jean-Luc Vanucci. Lui aussi l'un des hommes forts avec Simon Bouabré. Avec Ayman Sadi également. Qui vient du Nord, hein, qui est originaire du Nord. Il joue à Lens et qui évolue avec les U19 Lensois. Ouais, Miles qui est hors jeu. Voilà, son entraîneur qui lui dit concentré. Regarde le ballon. Allez, Mepiou, voilà l'heure de jeu. On a raté sa transmission. Et on repasse par son gardien de but. Alors on n'a pas cité le deuxième gardien, le Havrais, Paul Arnier, natif de Granville. Occasion de faire un coucou hein, notamment à Mathieu Baudemer probablement, qui nous regarde, le nouveau directeur sportif du HAC. On risque de voir Paul Arnier lors de la deuxième rencontre vendredi. Bon, pour Miles, mais belle sortie de Jean-Baptiste. Attention, c'est bon, le ballon. L'an passé, sur la campagne U16, il y a eu 13 matchs qui ont été joués. Et Romain Jean-Baptiste en a joué 7. Il y en a eu 4 pour Paul Arnier. Puis il y a aussi Vielle qui nous écoute peut-être, le gardien de but d'Ajaccio. Il faisait partie aussi de ce groupe U16 en début de saison. C'était Vielle finaliste du championnat de France U17 avec les Ajacciens qui avaient réalisé un parcours incroyable. Hein. Chou, Toulousain, 4 buts à 0. L'occasion aussi de faire un coucou à Julien Bengala, le coach d'Ajaccio, qui doit nous regarder. Lui qui est maintenant entraîneur de la N3 à Ajaccio. Il gratte ce ballon.
strasbourgeois. Quelques-uns à souligner son bon placement. Et voilà, il a bien levé la tête pour Bouchena avec Zagué. On a trouvé le Parisien dans la course. Et derrière, Miles sur le côté gauche. Qui a tenté de trouver Issaka, son homologue sur le côté droit. Et imprécis. Sangui, la bonne prise de balle de Sangui. On voit souvent sur la première touche de balle des footballeurs l'aisance technique. Avec Kei Sanda. On s'excuse hein, vraiment platement pour les petits soucis de connexion. Mais le temps est capricieux sur l'île de France. Ouais, on dit avec Amougou qu'on voit lui aussi un petit peu moins. Ce qui fait que probablement on a un peu moins d'occasion. Mais là, le double 1-2 avec Tidiam Gomis. Tidiam Gomis qui est passé. Qui est... Luke Armstrong avec son pied. Dommage. Il y avait du monde dans l'axe, mais on n'a pas réussi à la redresser chez Tidiam Gomis. Qui est passé une fois, deux fois. Qui va revenir par son arrière-garde. Et Isanda. On s'est replacé chez Mopiyou. Ouais, super Bamougou qui est la mauvaise transmission du Stéphanois, mais encore une passe de Bastien Mepiou, défenseur central qui est vraiment notre première arme offensive là, dans la relance. Être en 1 contre 1, ça nous promet de très très belles années à venir hein, pour Bastien Mepiou. Il est hors-jeu. Issaka assez largement. La défense qui avait bien communiqué, qui s'était bien arrêtée. Tout changement du côté de Benji. Est-ce qu'on va rallonger chez Jean-Baptiste? Rallonger. Ah non, on a le petit décrochage. Kei Sanda, on aime bien pouvoir relancer court. Retrouvé dans le camp gallois, obligé Luke Armstrong à s'employer avec ses pieds. Et le résultat, c'est qu'on récupère le ballon aux 30 mètres gallois. Dommage, on l'a reperdu. Allez, Mathieu Senior avec Luke Armstrong. Il faut le faire jouer, c'est bien fait. Ouais, ils s'en sortent bien, les gallois. Ça a l'air un petit peu miraculeux là, mais ils s'en sortent. Ouais, le ballon. Perret, le meneur de jeu, mais il est tombé encore une fois sur ce diable de Bastien Mepiou. Ah, et bien, un énorme merci au chat de YouTube. Voilà, on a donné la raison de l'absence d'Aymen Sadi, l'habituel latéral droit de cette formation de Jean-Luc Vanucci, est bien blessé à la cheville contre Amiens en U19 ce week-end. Et il aurait beaucoup apporté, même si ben là, son absence a permis de voir un très beau et un très impressionnant, prometteur Yoram Zagué, le défenseur du Paris Saint-Germain. Alors, les rentrées de Ouz et de Kalioum Hardy côté gallois. Des joueurs qui étaient le plus utilisés d'ailleurs par
Alors Jean-Luc Vannucci en U16. Qui donc fait partie de ces joueurs double surclassé là qui joue en championnat de France U19. Allez Mathieu Senior. Giles de nouveau pour Senior. Là on va laisser jouer. Sans trop dézonner, côté bleuet, on mène 1-0. Ce sont les Gallois maintenant qui sont un petit peu plus obligés de se découvrir. Allez, Bryden Clark pour Perrett, le numéro 10, qui est sorti. Calou Bardi, a priori, poste pour poste. Et en revanche, côté français, on est toujours avec le 11 même titulaire. Ça peut être aussi intéressant de les faire jouer la rencontre et de passer à un autre 11 dès vendredi pour la tête. Tentative de centre, Saka. Et compliqué cette balle pour Brendan Clark. On est un petit peu moins présent là à l'arc du ballon. Bouchena bouge encore beaucoup. Yoram Zagué avec Kaysanda. Et Sangui, le petit externe pied gauche. On va pouvoir repasser par Romain Jean-Baptiste. Et là, on arrive un peu moins à trouver Amoukou. Là, c'est Ferro qui a réussi à se défaire du marquage. Fodessi là. On n'a pas vu, on va pas faire Madame Irma, mais le ballon a été récupéré par les Bleuets avec Yoram Zagué qui va presque trop vite par rapport au ballon et qui va gagner un très bon corner. On aura eu une palanquée là de corner côté Bleuets et souvent apporté par nos latéraux Zagué et Sangui. Et là cette fois-ci il va le tirer avec son pied gauche, on a envie de le tirer. Non, il s'est rapproché pour la jouer un petit peu la rémoise, mais c'est toujours Eli Junior Croupi qui va se charger de beauté. Un coéquipier, Croupi qui peut centrer, le ballon qui passe devant tout le monde, qui va revenir sur Bastien Mepiou qui a tenté le crochet intérieur dans la surface. Dommage, crochet un poil long. Il a un peu perdu le contrôle du ballon. Mais Belle qui s'est un petit peu dérobé. Allez, on va voir quelques-uns de nos Français. Wilsem Boussaïd, le numéro 7, qui va rentrer. Avec Mathis Lambourde, voilà, certains à nous le présenter comme étant un crack. Traoré, c'est pas Daouda Traoré parce qu'ils avaient tous les deux avec le numéro 21, c'est Samy Vatel qui va rentrer à la place de Nolan Ferro. Donc les sorties de Croupi, Ferro. Deuxième, on va regarder. Gomis est toujours là. C'est Amine Boucher là, qui est sorti. Donc sur le côté droit, on va avoir Wilsem Boussaïd, le Strasbourgeois, qui n'en peut plus marquer avec les U17 de Strasbourg.
Bourde qui est rentré poste pour poste à la place d'Eli Kroupi Junior, donc à la pointe de l'attaque. Et voici Samy Vatel, le Strasbourgeois, avec tout de suite un amour de ballon pour Wilson. Voilà, on soit très sûr, très propre techniquement avec un super pied gauche. Allez, Samy Vatel. On aurait dû s'en sortir en une touche normalement, mais il va récupérer le ballon, Samy Vatel. Il peut dégager. Première sélection pour Mathis Lambourde. On a aussi Yanis Issoufeu. Là, on siffle une faute de Faudé Silla. Ouais, on peut aider avec l'avant-bras. Ouais, Samy, approche. Samy, droite. Fort. Ouais, allez, c'est qui va frapper ce coup franc. Qui a dû le frapper. Allez, Silla pour Lambourde. Et le ballon qui est récupéré par les Gallois. C'est attentif, concentré. Et reprendre un petit peu la marche en avant là qu'on avait en première période. Jean-Baptiste, Mepiou. Avec ses latéraux, Sangui et Zagué aussi, qui font une très très belle rencontre. Amougou. Faudé Silla avec son pied gauche. Ah, dommage. Il avait. Alors, peut-être qu'il attendait qu'Yoram Zagué, qui était en train d'arriver, soit déjà là. Résumé de la super vitesse de Yoram Zagué, qui est déjà quand même pour le coup très rapide. Allez, on voit Mathis Lambourde avec ses chaussures jaunes à la gauche de votre écran. Déjà physiquement très mature. Ah, dommage, le contrôle de Faudé Silla et qui derrière est coupable d'une petite semelle. L'arbitre a décidé de laisser jouer. Miles. Ouais, bien joué, Zagué. Ouais, il faut s'en sortir proprement grâce à son pied gauche. Ouais, Tidiam Gomis qui vient demander le ballon. Dans le cœur du jeu, on a tenté de le retrouver chez Sangui. Et c'est finalement les Gallois qui vont mettre le pied sur ce ballon avec Rhys Thomas. Allez, Crew et Mathis Lambourde qui va devoir aller apporter son énergie et sa fraîcheur. Dans les bons points aussi à mettre du côté français, c'est la très bonne communication derrière. Ils se sont fait trois fois dans le match. Ouais, là, Wilson Boussaïd qui s'est fait un petit peu planter là. Très très bonne prise de balle de Wilson Boussaïd. Allez voir, le contrôle est magnifique. Pour se remettre tout de suite bien comme il faut, voilà. Derrière, obligé de faire la faute chez le Gallois. Allez, Mepi, il faut se montrer. Côté bleu. Kaysan. Et Wilson Boussaïd qui va pouvoir passer en 1 contre 1. Attention, il est très très fort, Wilson. Oh, dommage, il est pris par deux Gallois. Et derrière, il va aller récupérer une faute. On va pouvoir se dégager chez les Britanniques. Allez, on resserre le côté bleu, il faut être compact à la tombée du ballon.
Si on n'est pas maître des airs, maître des deuxièmes ballons. Il reste un quart d'heure à serrer un petit peu les dents pour ceux qui sont là depuis le début du match. Ouais, c'est Vatel. On en parlait. Isaka face à Noah Sanghi. Isaka qui va pouvoir centrer. Attention, il y a du monde à la retombée de ce ballon. Et heureusement, il y avait le pompier de service, Yoram Zagé, qui dégageait du monde. C'est par-dessus la tête. Alfie, another yard. No side on. See him on the ball. That's it. That'll do it. Allez, corner. Il va falloir la sortir. On peut la sortir comme on peut. Bien jouer Fonessi là, mais bien dans l'intention, un peu moins bien dans la réalisation. Ouais, c'est donc le Niçois Sami Vatel. Ce sera Romain Jean-Baptiste. Allez, on va essayer de trouver peut-être le jeu de tête de Mathis Lambourde. On a gagné quelques centimètres par rapport à Elie Junior Coupi. On va voir. Et ben voilà, c'était Lambourde qui avait été trouvé, numéro 19. Et le deuxième ballon pour les Français avec Sanghi pour Lambourde. C'est une très belle équipe là aussi. Regardez qui a fait tout de bombarder là. Il est tombé un peu tout seul selon l'arbitre. On a repassé derrière et a jeté un petit peu plus le ballon, mais voilà, bien remis par terre par Titiem Gomis avec Mepiou. Ouais, Bastien Mepiou n'est plus en place, c'est lui, il est arrière gauche. Inside, il essaye d'alerter complètement là-bas côté gauche. Gomis qui attend l'arrivée d'Amougou. Ouais, on a essayé de la talonner chez Amougou, le ballon qui est resté planté. Et Isanda, Valenciennois. Allez, de nouveau Vatel. Voilà l'impulsion imprimée par le Niçois. Et il y a un pressing plus agressif côté gallois. Il nous met un petit peu en difficulté. Vatel, on me pique, il est monté. Et gêné, freiné. Amougou qui a tenté de trouver Mathis Lambourde. Et ça a marqué pour Mathis Lambourde. Alors malheureusement, nous on l'a raté, mais on va revoir probablement le ralenti. Il a dû avoir une belle ouverture de... Moi je l'ai raté, mais en tout cas voilà, vous l'avez vu, vous. Belle ouverture de Mathis Amougou pour le pied gauche de Mathis Lambourde. La Mathis Connection. Oh,
Et voilà, vous étiez certains à nous dire attention à ce jeune Mathis Lambourg, de nouvelle coqueluche du Stade Rennais. Eh bien, première sélection, 5 minutes en bleu. Allez, Daouda Traoré, lui aussi, vous l'attendiez. Il va rentrer tout comme Ismaïl Bouneb. Alors, côté gauche, et Daouda Traoré à la place de Fodé Silla, poste pour poste. Vous aviez tout vu, ça fait plaisir. Le superbe sang-froid de balle. Le ballon a été donné dans le tempo. Juste une touche de balle pour marquer. C'est ce qu'on appelle la passe décisive parfaite. Hein, quand votre partenaire n'a plus qu'à toucher la balle une fois avec le ballon pour marquer. Et ouais, c'est plutôt bien d'avoir fait le break. Mathieu Senior qui est tout de suite contrarié par Mathis Lambourde. Ah. Suite à la sortie de Fodé Silla. Donc on va découvrir hein, Ismaël Bouneb. Lui aussi, pensionnaire de Valenciennes. Aurait, qui joue très régulièrement maintenant, hein, alors qu'il est simplement U17. Il joue avec l'équipe réserve. Attention à la récupération d'Amougou et la frappe. Bel arrêt de Luke Armstrong, mais récupération d'Amougou à 20 mètres. Il a les deux pieds, Amougou. La frappe est belle. Donc je disais Daouda Traoré qui évolue avec, avec la N3 de l'OGC Nice. Allez, c'est Boussaïd. C'est Boussaïd qui va tirer ce corner, qui va être sortant, tiré par un gaucher. Réprimandé par l'arbitre de la rencontre. Allez, corner sortant. On a de grands gabarits avec en plus maintenant l'arrivée de Samy Vatel et de Daouda Traoré. Vous êtes là derrière, vous voyez que Sangui est en défense centrale, le pilou à gauche. Pas trop plaire à Jean-Luc Vanucci tout ça. Et donc ces défenseurs se replacent vite. Allez, Ismaïl Bouneb sur le côté. Alors pour tous ceux qui le demandent, hein, c'est une particularité, il faudrait qu'on regarde un petit peu dans l'histoire. Aucun joueur de l'Olympique Lyonnais sélectionné par Jean-Luc Vanucci. Aucun Marseillais aussi, un seul Parisien. D'habitude, le centre de Yoram Zagué, c'était pour Bouneb de l'autre côté. Et, bon retour cumulé de Joan Drews et de Rhys Thomas. Rhys Thomas qui n'en peut plus. Mgomis au marquage, il a mangé les appels dans son dos pendant toute la première période. Cinq minutes pour se montrer. Ces jeunes qui sont là dans une
dans une préparation, dans leur préparation pour le premier tour de, des qualifications pour l'Euro U17. Il se tiendra en... Ils vont se déplacer fin octobre en Macédoine du Nord pour aller affronter la Macédoine du Nord, l'Islande et le Luxembourg. Luxembourg que les Bleus avaient battu l'an passé en match amical. C'est même battu 6-2. Les avaient rencontrés deux fois d'ailleurs les Luxembourgeois, deux victoires. Allez, Wilsem Boussaïd s'appliquer sur ce corner, il est bien tiré. Il sautait plus haut que tout le monde. Le buteur français, le second buteur français. Voilà, Jean-Luc Vanucci qui va être content, hein, ces deux avant-centres ont inscrit un pion. Allez, Sanda qui voit la balle en tribune. Est-ce que pour nous. Justement, en étant région parisienne, on joue bah, forcément à Clairefontaine, de Pierre Pibarot. Qui revient et on évite, heureusement, on évite le tacle de Mathieu Senior. Joachim Kaysanda, Mopiou, circuit préférentiel, on va jouer sur toute la largeur. Sangui avec Bouneb, mais le ballon est perdu par les deux joueurs du flanc gauche français. C'est fait exprès pour Bastien Mepiou parce que la balle arrive tranquillement dans les bras de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste qui demande à tout le monde de sortir. Là, on va souffler un peu. Et c'est resté les 2-3 dernières minutes dans le camp gallois. C'est Ouda Traoré qui n'y va pas, mais c'est Wilsem. Boussaïd, ils sont Traoré. Et la touche. Sanda. Pour me Piou. Vraiment intéressant l'utilisation de nos latéraux, surtout en phase de relance. Long ballon. Ouais, on a vu le retour non pas d'un gallois, mais de deux gallois. Ouais, encore. Oh là là, il y aura Miss Biguet. Muse, latéral droit du Paris Saint-Germain, ça arrive à ressortir la balle. Périmètre, les latéraux modernes aujourd'hui avec une technique souvent même supérieure à la moyenne. Et effectivement, il y a un petit peu quelques airs d'Alban Lafont. Deux fois. La faute qui était appelée par Didier Deschamps récemment. C'est vraiment incroyable du côté du FC Nantes. Et Noah Sangui. Avec les U19. Alors il joue un peu avec tout le monde. Hein, les U17, les U19, la N2 du côté du stade de Reims. Il n'a pas l'air de. Avoir le moindre souci que ce soit avec lui. Et voilà, on va rentrer dans le temps additionnel. 3 minutes de l'arrêt de jeu, comme on disait dans le temps. Les Français qui donc. Effectivement, une troisième rencontre là d'affilée, troisième rencontre de suite contre les Gallois sans prendre le moindre but. Victoire 5-0, victoire 3-0, c'était l'an passé au mois de novembre, plus ou moins un an. 16,
3-0, 5-0. Bouda, il va pouvoir centrer le ballon qui va revenir sur Ismaël Bouneb, mais qui n'a pas tout à frapper. Miles, il a joué bien pour le premier coup, mais il est fort défensif. Tellement imprévisible dans ces transports. Asmel. Et a priori, on va assister à des derniers changements côté français. Entendre Jean-Luc Vanucci demander à l'arbitre de préparer un changement. Et oui, c'est Arthur Tchapchet, le défenseur rémois, défenseur milieu de terrain, qui va rentrer à la place de Bastien Mepiou, donc il va rentrer en défense centrale. 2 minutes, hein, ça va lui faire une cape de plus à Arthur Tchapchet. Finalement, j'aime beaucoup ce joueur, il est capable d'évoluer milieu de terrain défensif ou défenseur central. Avec Bouneb. Tchapchet. Tchapchet, ouais, c'est bon. Là, on dégage le ballon qui va retomber directement dans les pieds gallois. Allez, faut essayer de la garder pour la dernière minute dans cette rencontre. Dégagement de Luke Armstrong, c'est les bleus, il faut se parler. Vatel et Tchapchet, il faut se parler. Lambourde qui vient gratter cette balle, le ballon qui va revenir sur Bouneb. Mathis Lambourde encore. Il va réussir à s'en sortir une fois, deux fois. Le centre très tendu, hors à terre de Lambourde. Il n'a pas réussi à trouver Boussaïd. Et dur ce score de 2. Nos Bleuets qui entament bien leur saison U17. Premier match, première victoire, un clean sheet. De quoi avoir de bonnes bases pour travailler. Les Français qui affronteront les Gallois. Ce sera vendredi. Allez, bravo à Sangui. Bravo à Sanda aussi, Kei Sanda. Checker les arbitres. Et puis ben, nous, on va, je pense, partir sur le replay. Ah, s'il est prêt du côté de nos équipes techniques, le replay de cette rencontre ou de cette seconde période. On va voir ce qui. Mais en tout cas, si vous nous rejoignez simplement maintenant, bah vous avez tout raté, les amis. Vous pourrez regarder le replay. Et les buts d'Eli Junior Croupier et de Mathis Lambourde, un en première, un en seconde. Pas faire de jaloux. Ça fait du bien là de voir les imposer, parce que là, les U18 ont perdu, les U19 ont perdu. Les espoirs ont fait nul. Les bleus, les A ont perdu. Et bien voilà, petite éclaircie. Cette semaine internationale qui n'a pas été couronnée de succès pour les Bleus. Alors j'attends quelques infos. Est-ce qu'on est parti pour voilà, le replay avec la première en empereur de Tidiane Gomis sorti par Luke Armstrong. Et là, c'était le coup de tête d'Amine Bouchena. On avait du mal pour le moment à trouver le cadre. Là, c'était peut-être les Gallois qui auraient pu nous aider en étant presque coupable d'un but contre son camp. Frappe à côté de Tidiane Gomis, à côté d'Eli Junior Croupi, mais ça se rapproche. Et c'est le Lorientais qui va ouvrir la mèche une première fois à la demi-heure de jeu. Eli Junior Croupi. Derrière, on avait nos Frenchies qui ont fait un petit peu plus. Figuration en fin de première période, ils ont beaucoup plus défendu et cette première période qui se terminait par une frappe sur la barre d'Eli Junior Croupi. Yoram Zagué pour Amine Bouchena, Yoram Zagué encore cette fois-ci pour Tidiane Gomis. On a du mal à trouver la mire. Là c'était Eli Croupi qui donnait à manger un petit peu aux oiseaux.
Et là, cette magnifique passe externe, pied droit de Mathis Amougou pour Mathis Lambourde. Mathis Amougou, encore lui, capitaine. Qui ne pouvait battre Luke Armstrong. Et bien voilà, les Bleus qui s'en sortent bien. Victoire 2-0 au stade Pierre Pibarot de Clairefontaine. Merci à tous qui avaient été dans les chats sur FFF TV, dans les chats de YouTube. FFF. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres matchs de jeunes, en espérant que vous vous porterez bien. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires et plein de petits pouces. Ça fait du bien et ça augmente encore la notoriété de ces lives. Fédération française de football de nous fournir tout ça très régulièrement pour suivre nos pépites. L'heure est maintenant de rendre l'antenne. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin d'après-midi. Bye bye.